que tu penses que tu es? Un flatteur avec ma petite amie. Laisse-le tranquille, Will. Nous parlons juste et il est très sympa. Il faut qu'elle apprenne sa position. Attrapez-les, voyons. Sur mon 5 dollars, ça, ce n'est presque pas assez. Ça, c'est tout. Je te donnerai pour demain. Demain est trop tard. Tu ne veux pas faire ça. Pas mon meilleur ami. Il dit qu'il te donnera demain. Dégage, c'est entre lui et moi. Est-ce que tu es fatigué de se battre? Qu'est-ce que ton internu dit à propos de ceci? D'accord. Mais tu le dois avoir demain. J'aimerais aider, mais je dois sortir. Désolé que tu es celui qui doit régler avec Will toujours. Ça va? Ça va. Merci. Qu'est-ce que s'est passé cette fois? Je parlais juste à Annika. Will m'a interprété. Ne le dérange pas. Retiens-toi. Les mauvais garçons perdent toujours. Oui, si la vie était un film, ça causerait toutes les choses plus faciles. Alors, est-ce que nous allons chez toi après l'école? Bien sûr. J'ai obtenu le nouveau jeu vidéo. Cool. Je te verrai plus tard. Est-ce que tu es encore fâché? Je veux dire qu'il obtiendra l'argent demain. Non, je suis fâché à cause de Udi. Il pense qu'il est le mec le plus cool à l'école juste parce qu'il est le président d'école. Il est. Il est le mec le plus sympa dans le coin. Ça c'est pourquoi tout le monde l'aime. Je ne l'aime pas. Je dois être le mec le plus populaire. Je suis le meilleur athlète dans cette école. Mais tu peux être un peu effrayant parfois. Qu'est-ce que ça signifie? Comme tu en prends d'art. Attends. Est-ce que ça c'est Jeff et Udi? Tu sais quoi? J'en ai marre. Allons-y. Doc, est-ce que tu entends de ce météorite lequel a atterri près d'ici deux années passées? Il était un gros sujet. Non, je ne fais pas attention à ces choses. Alors, il y a ce bout radioactif de quelques débris de Neptune qui soit dit ça atterrissait là, mais ce n'était jamais découvert. Il a dit qu'il a sa 50 fois la radioactive de l'uranium. Regarde, une pierre lumineuse. C'est là, ne la touche pas. C'est cool, non? Est-ce que tu ne l'écoutes pas? Cette chose va te tuer en minutes. Jeff, est-ce que tu m'enregistres? Oui, oui, vas-y. D'accord. Oh. Wow! Yudi, regardez-moi. Wow!
C'est très génial. Nous sommes comme des super-héros ou quelque chose. Oui, nous pourrons résoudre les choses. Et je doute que les gens à l'école me détestent après qu'ils découvrent mes pouvoirs. Je pense. Si nous sommes des super-héros, il y a quelque chose dont nous avons besoin. Par exemple, des costumes et des noms, une voix secrète, et des comics qui parlent comment je suis le meilleur super-héros, et tu es le meilleur acolyte. Attends, acolyte? Oui, alors, bien sûr, et va c'est plus cool que la fille. Donc, je suis le super-héros et tous les super-héros ont besoin d'un acolyte geek. Tu penses que je suis un geek? Je ne veux pas dire ça. Plutôt, tu es très intelligent. Allons-y, nous allons être en retard à l'école. Est-ce que tu te souviens de quel est arrivé après l'explosion? Non, pas vraiment. Je me souviens que je me suis tombé et quand je me suis réveillé, tu étais en bas sur la terre. Je t'ai transporté à ta maison. Et Marc et Jack? Je ne sais pas. Ils étaient allés quand j'ai reconquis ma conscience. Même avec Jeff et Judy, c'est raté parti en cours. Je ne sais pas. C'est comme tu as la psychokinésie ou quelque chose. Cool. Tu signifies que je peux lire des esprits? Pense au numéro maintenant et je devinerai. Non, stupide, la psychokinésie. C'est quand tu déplaces quelque chose sans les touches. Oui, je ne sais pas. Vous avez le super-pouvoir aussi? Trop bien! Monica, je t'ai pensé. À propos de quoi? Et s'il te plaît, ne dis pas les autres filles? Non, ce n'est qu'à propos de moi. Comme toujours, ça n'est pas. Quand j'ai joué avec mes super pouvoirs hier, je pensais que je pourrais faire plus avec mon vie. Comme en sport. Les élections pour le captain sont l'année prochaine. Si je suis un brute, il n'y a personne qui voterait pour moi. Oui, je n'ai pas voulu dire quelque chose, mais tu es un brute à des gens. Pas moi, mais tu es un brute à Jeff et autres gens qui sont comme lui. Oui, je ne sais jamais. Hey! Si tu veux arrêter de tyranniser les gens, tu peux. Il n'y a pas personne qui t'arrêtera. Tu es correct. Je me laverai le passé loin de moi. Viens, nous devons aller à l'école. Oui. Le droit à être Will. Pourquoi Will? Je marchais là-bas quand j'ai vu marcher devant son bureau. Il est la seule personne qui ferait une telle chose. Il est la seule personne qui voudrait ce sort de force, juste comme il fait toujours. Il n'est point à ça. Allons-y, oui, obtenir. C'est vrai. Oui, allons-y, nous le tirons. Est-ce que tu tiens mon sac, Will? Je dois nouer mon chaussure. Bien sûr. Je pense que je connais quelque chose à propos d'hier. Tes super-pouvoirs ne apparaissaient que quand nous avons eu cette explosion. Donc, cela doit donner tes super-pouvoirs. Tu es correct. Alors,
Si c'est vrai, pourquoi est-ce que toi, Udi ou Jeff n'ont rien de super pouvoir? En fait, quand je marchais dans l'école, j'ai entendu que quelques gens ont vu Jeff et Udi faire quelque chose de surnaturel. Je m'imagine que si toi, Jeff et Udi aviez reçu les super pouvoirs, j'aurais reçu les super pouvoirs aussi, non? Parce que je n'ai rien remarqué. Bizarre. Ton corps résistait peut-être l'énergie à demeurer dans une état neutre. Oh, hey, regarde Professeur Will ici! Alors, je dois aller à ma maison maintenant. À demain! D'accord. À demain à l'endroit habituel. Oui. Salut! Dios mío! Time! Avec Will! Salut mec! Quite enough! Ça suffit, Will. Nous savons que tu as volé les clés. Rendre les clés. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais pris les clés de quelqu'un. Tu es la pire personne de l'école. Tu l'as fait. Jeff, nous n'avons aucune preuve. Nous devons être mieux ici et raisonner avec lui. Non, elle est prenne sans en doute. Elle est la personne la plus horrible. Nous devons utiliser nos super pouvoirs pour répondre les clés de Will. Tu sais quoi? Je suis fatigué de ceci. Si vous voulez combattre, nous le pouvons faire maintenant. Nous avons le super pouvoir aussi. Mark est l'homme le plus rapide du monde. Et Jack peut voler. Alors, cela ne marche pas. Je devine que je devrais sortir la poubelle moi-même. C'était trop facile. Vous êtes trop facile à manipuler. Jeff, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce sont les clés. Celles qui étaient volées. Yuri, je te disais que je ne les faisais pas. Oui, ces clés qui avaient été volées. Je étais incorrect, oui. Je suppose que tu étais correct. Oui, et avec ces clés, j'ai le pouvoir de manipuler tous les corps. Je ne dois plus rester dans les ombres. Mais pourquoi, Jeff? Tu es mon meilleur ami. Ton meilleur ami? Tu m'écris toujours. Tu es beaucoup plus populaire que moi. Je t'ai juste utile pour toi parce que je t'aidais avec tes devoirs. Je pensais que j'avais une chance d'être populaire comme toi quand j'ai obtenu ces super pouvoirs. Mais tu m'as fait ton acolyte. Alors, je parle tout seul que pourquoi pas éliminer Udi? Puis, je ne serai plus en second place. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ma copine? Salut! Ça va? Je reviens pour mon sac. Je pensais que tu disais que tu n'as rien de super pouvoir. Je ne réalisais pas. Je voyais que c'est passant, donc je voulais se faufiler sur Jeff et pendant la procédure, je suis devenue invisible.
C'est super cool. Merci pour la été. Jeff! Huh. Qu'est-ce que nous faisons avec lui? Je lui peux parler? Enseignons-le une leçon. Les amis, soyons gentils, dénonçons-le. Il est nécessaire que nous pensions bien au sujet de sa punition. Allez, s'il te plaît, juste un peu de coup de poing. Non, nous ne faisons pas ça. Allez, nous n'allons jamais faire vos idées. C'est mon ami. J'ai le mot final. Il est important qu'il soit sûr pendant sa punition. Qu'est-ce que tu dis? Ce sera une peine et il va être difficile. Mais nous le devons l'envoyer. Où est-ce que nous l'envoyons? J'ai une idée.